Un nouveau ministre turc a été refoulé des Pays-Bas samedi soir. Cette fois-ci, il s'agit de la ministre de la Famille, empêchée par la police de rentrer dans le consulat turc à Rotterdam. Le consul n'a pas été non plus autorisé à sortir du bâtiment pour la rencontrer. Elle était arrivée par la route de Düsseldorf. Elle déplore l'attitude lamentable, dit-elle, des autorités néerlandaises. Nous avons été traités de manière inhumaine et irrespectueuse, a-t-elle déploré. Aux Pays-Bas, un pays libre et démocratique, nous avons connu une nuit amère. Notre chargé d'ambassade a été retenu en détention. 5 personnes, mes propres gardes de sécurité et mes chargés d'affaires ont été placés en garde à vue. Nous avons été conduits au commissariat à la frontière allemande. La Haye avait fait savoir à plusieurs reprises à la ministre qu'elle n'était pas la bienvenue aux Pays-Bas. Les brigades canines sont intervenues samedi soir contre des manifestants turcs qui tentaient de pénétrer dans le consulat à Rotterdam.